Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, on est en compagnie de Baptiste et de David. Alors, ce soir, on va jouer à un petit jeu PC, et ça tombe bien parce qu'on joue sur des PC, donc là, pour une fois. Il s'agit donc de Shadow Warrior, et qui est un héritier de Duke Nukem 3D et de tout ce genre de jeu. Tout ce que vous pouvez savoir pour le moment, c'est que donc c'est un jeu de 97, que c'est en 3D, avec les doigts, et que c'est gore. Et voilà, et je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous voulez peut-être savoir un petit peu de quoi ça parle avant de lancer une petite partie. Après, on est parti. Tu es donc Lo Wang, et tu es donc un maître ninja. Donc comme tout le monde sait, les ninjas n'ont pas existé. Hein. C'est une pure invention de la fiction occidentale, et certainement aussi de la fiction orientale, mais oui, apparemment les ninjas n'auraient pas existé tels qu'on les connaît. Donc voilà, c'est ce genre de mythe rigolo. Mais sinon, du coup, toi, tu fais partie des Shadow Warriors, et ça tombe bien, parce que c'est le titre du jeu. C'est quand même bien foutu, hein. Donc tu es agent d'élite pour une société d'entreprise japonaise, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais on est un petit peu dans l'ambiance Japon. Ouais, c'est un restaurant de sushi et tout, avec des tapis roulants. Voilà, et donc ton ancien employeur, il s'appelait Zia, et c'est pas Mozilla ni Fagzia, mais Zia tout court. Et donc c'est un conglomérat, donc c'est forcément des méchants, et voilà, et du coup, toi t'es pas content parce que bah, au lieu de recruter ninja, ils sont venus recruter des créatures. Donc tu t'es barré, et vu que tu t'es barré, ils sont pas contents, et donc ils t'envoient leurs créatures, et voilà. On l'a fait simple, et en gros c'est ça. Créature maléfique, hein, pour préciser, hein, parce que si c'est juste une créature, c'est pas... Créature, et donc là, c'est nous as sorti, tu nous as sorti un détecteur de Covid, là, j'ai l'impression. Ouais. Avec la chaleur... Qui permet de soigner aussi. Alors, tu feras gaffe, là, si tu me traces, je crois que t'as une infiltration. Ouais, c'est les... Juste là, oui, je pense que t'as une infiltration. Ça te rappelle des anciens. Je pense qu'il y a un peu de rouille, tu vois. Je pense que le Tomé s'est foutu de ta gueule, il n'a pas mis du zinc, il t'a mis du métal. Alors dis donc, Baptiste, je te vois partir, mais dans tous les sens. Ouais. Je comprends rien ce que tu fais, en fait. Toi, visiblement, t'as déjà un peu joué. Je connais pas Shadow Warrior en particulier, par contre, j'ai beaucoup joué à Duke Nukem 3D. Donc le principe, c'est qu'on alterne des grosses phases de bourrinage et des phases où on cherche des clés. Donc, alors, ça, le principe du FPS, je pense qu'on a tous saisi, mais là il se passe quoi là? T'es dans une quête, tu recherches des clés, est-ce que tu as une charge scénaristique quelque part? Je cherche la clé argentée. Ça, je l'avais repéré tout à l'heure, bon, faut où sont les... bah, par exemple, il nous faut une clé argentée. Je dis ouvre, il me dit verboten, you need a silver key for this door. Donc il faut reprendre. Alors ceci c'est très Duke Nukem de passer par les conduits de canalisation. Il faut regarder vraiment tout. Hein. Des fois c'est genre. Mais est-ce qu'on sait quand même contre qui on se bat précisément? Pourquoi on se bat? Parce qu'on est quand même lourdement armé, on égorge tout le monde depuis au moins 5 minutes là. Et en fait, si tu avais écouté, il s'agit ni plus ni moins d'un procès prud'homme qui s'est mal passé. Donc en gros, t'es un petit peu en guerre contre ton ancien employeur. Et au lieu de régler ça à coup d'avocat et à coup de procès, tu règles ça à coup de flingue et de créatures maléfiques. Voilà. Mais les créatures maléfiques, c'est normal. Tranquille, moi, j'ai ma créature maléfique dans le coffre, y'a pas de soucis. C'est la raison de ton départ, c'est que le conglomérat, tu vois, il voulait un peu remplacer les ninjas par des créatures, et puis bah Lo Wang, là, ton personnage, il est pas content, il se dit non, ça se fait pas, tu vois. C'est quoi ces créatures maléfiques qui piquent le travail de nos travailleurs, de nos chers ninjas? Non, c'est pas possible, tu vois. Donc à un moment, bah, il se rebelle, et puis bah vu qu'il se rebelle, il a pas fait son mois de préavis, et donc ils sont pas contents, ils font poursuivre. C'est un peu extrême quand même. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein. C'est ça chez les ninjas, hein. C'est pas vraiment le même code du travail. Hein. C'est d'accord. Vrai que c'est un tantinet violent quand même. Je pense qu'il y a moyen de régler ça un petit peu mieux. On peut jouer à outil de voiture, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah mais j'ai trouvé la clé, je suis bête. Ah bah voilà, t'as trouvé à quoi ça servait les petites voitures. Peut-être à te passer la clé dans le machin. Regarde, si tu contrôles la voiture avec la clé. Ouais. Là, le j'admire le courage de ton petit ninja là, qui prend quand même le temps de jouer à petite voiture alors qu'il est en train de se faire mitrailler dans tous les sens. S'il faut la commande. Et tu peux pas commander l'autre avec l'autre télécommande là? Parce que là, t'as vu, t'as une antenne. T'as différentes antennes.
Oui, oui. J'ai la rouge et la verte, mais je n'ai pas la jaune. Je l'ai pas vu sur le côté tout à l'heure. Hein. La jaune. J'ai cru voir un contrôleur quelque part jaune. Et donc ça fait partie des voilà. mécaniques de jeu très rigolotes, c'est que tu vois là, tu vas passer 2 heures à essayer de bouger une voiture alors qu'en fait, dans la vraie vie, il suffirait de passer par ce comptoir. Quoi. Ah oui, là, je suis sûr, le gars étend le bras. Il n'y a pas un passage sur la gauche qui te permettrait d'aller récupérer directement la clé? Non, non, sur la droite. Attends, sur la droite. Hein. Va sur le passage, tu vas lui montrer, passage, pas couper. Mais... Et le passage, il est contrôle le passage. Regarde, le passage, il a pile poil de quoi faire passer une voiture. Tu peux pas passer en dessous, d'accord. Voilà. Il y avait des trucs chelous avec un plan caméra. Ah, attention, va doucement là parce que tu nous donnes la gerbe. C'est la Razer qui fait ça. Ah, c'était là, tu vois. On est pas fous. Voilà. Je suis Ah, ça bouge, hein. Ouais. Ah, bah voilà, ah oui, on a pas là. On voit 3 pixels qui bougent. Est-ce que la clé est accessible là? Ah, bah écoute, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir. Hein. Bah ouais. Ok, allons voir. Et tu as la clé? Oh la vache. Et je sais pas comment tu fais quand t'as 3 clés, 3 ou 4 clés, parce que t'as vu la taille des clés là. Si jamais tu dois les mettre dans la poche, ça doit faire un sacré trou. Hein. Ah oui, le reflet. Alors bien sûr, en plus, on a un ninja, mais un vieux quoi. C'est vraiment en plus, genre, c'est des enfoirés, ils l'ont abandonné avant sa retraite quoi. C'est ça, ils voulaient pas payer le départ en retraite quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Il est tout petit le bureau, t'as vu, c'est marrant, il fait ça d'épaisseur. C'est pour être assis mais sans chaise. Bah de toute façon, il y a même pas de chaise, donc c'est à mon avis pour être accroupi, tu vois. Ça va en être tard. Alors maintenant que t'as 2 clés silver, est-ce que tu peux ouvrir l'autre porte silver qui est à gauche de là où t'es là? Donc là, je suis sorti. Alors, c'est pas là où je veux aller. Parce que je suis tombé de là où j'étais avec les voitures. Alors, est-ce que dans le chat, vous entendez la voix du personnage? Je sais pas s'il parle, là, parce que des fois, il parle quand tu recharges ou quand tu fais quelques actions. Dans ce genre de jeu, il pouvait encore te mettre ton reflet dans le miroir. Vas-y, regarde-toi dans le miroir, là. Bouge. Ouais, bah c'est parce que c'est pas de la vraie 3D, parce que maintenant, même dans Cyberpunk, tu vois, t'es obligé d'activer le miroir si tu veux le voir, parce que dans tous les jeux, vu que ça bouffe énormément de ressources de doubler le... Y a pas de miroir, y a pas de rétrécir non plus, là, t'as juste un sprite qui se déplace dans le même décor que derrière toi, c'est tout. Je pensais à ces trucs-là. Ah, la porte du milieu, peut-être, oui. Voilà. Ah, mais t'as la clé que tu peux mettre là, oui, c'est vrai. Parce que la clé, elle marche partout une fois que tu l'as. Hein. Eh ben, on trouve à force. Ah bah là, tu viens niquer Jean-Michel de la Comta, là, il va pas être content. Ah bah en plus t'as un métro, c'est pour ça que ça ressemblait vaguement à une carte de métro, la carte sur le mur là. Et je pense que tu peux aller la lire, elle sera, regarde la carte, là, en face. Voilà, tu vois, c'est clair pourtant, tu vois, c'est indiqué. Oh bah merde, passage. Là tu peux laisser. Je sais pas si c'est utile, mais en tout cas... Parce que j'étais. Alors normalement c'est un peu déconseillé de marcher comme ça sur les voies. Hein. Ah ouais, les enfants, ça peut être ça. En plus ça. Ouais, les enfants d'ailleurs. Ça cause des retards voyageurs. Et avec un coup ça tu recommences de tuer. Lamentablement. Ouais, c'est ça. Les rails électrifiés. C'est Reden. Ah mais putain. Ah non mais t'y arriveras pas à ce niveau-là. Hein. C'est dingue, il veut pas. Hein. Ouais alors là c'est. Alors là c'est pas mal si tu veux de la vie. Et en fait. Faut pas aller sur le tapis roulant là pour sortir, c'est tu regardes, à ta droite, t'as une espèce de petite... attends, à ta droite, à ta gauche sinon... Enfin t'as une des trappes qui est en hauteur, regarde près du plan... Voilà c'est ça, là, ouais, c'est là où t'es entré. Bah oui, c'était évident. Ça c'est les spécialistes, on va te faire des petits trucs, attends. Par un endroit, mais alors pour savoir par où t'es entré... Effectivement. C'est les spécialistes, hein, ce studio là... Je viens de me rendre compte que vu que c'est des mécaniques qui sont complètement oubliées, et ben on n'a pas le réflexe d'y penser quoi. Tu t'en sors, hein, Baptiste? Ouais, j'ai tué tous les ennemis que je voulais tuer, maintenant je cherche les cartes. Là. Alors, tu peux t'en servir? Ouais, c'est un canon. Oui, effectivement, ça ressemble à Duke Nukem, c'est le même moteur. C'est pas pour rien. C'est le même studio même. Ouais. C'est parce qu'on est, on est sur un jeu 3D Realms. On devrait le prononcer 3D Rims là.
Mais on a déjà tranché le débat quand on parlait de Worms, parce qu'on disait que Worms était de type 17, et même si on devrait dire Team 70, c'est des jeux que l'on a connus petits et on prononçait à la française. 3D Realms, on prononce 3D Realms, voilà, c'est tout. J'avais même un copain, quand j'étais en primaire, qui disait pas Link, qui disait Link. Link, carrément. Oui, mais t'avais quel âge en primaire et dans quelle décennie, hein, les années 80? J'étais en CM2, non... Attends, oh, 90, ça pousse, ça. Hein. Regarde-moi ça. En CM2, t'as quel âge en CM2? T'es en 94, un truc. J'avais 14 ans en CM2, mais bon, c'était pas le cas de tout le monde. Hein. Oui, j'avais déjà trouvé les shots turcs avec les... Il y avait un truc pour se soigner. Ah, et il y a un autre truc là ou pas? Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a un interrupteur dans les chiottes. Ah, sérieux. Je suis pas sûr que l'architecte, ça soit terrible. Hein, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? C'est pas ça qu'on a ouvert. Là, t'avais une porte. Alors, attends, en plus, tu sais pas le sens de l'interrupteur. Mais donc, pour finir, oui, c'est donc un jeu 3D Realms, donc les créateurs de Duke Nukem, et c'est donc le même moteur que Duke Nukem, à savoir, c'est le Bundle 3D, c'est ça? Je sais pas du tout comment il s'appelle. Le Build Engine, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est 3D Realms, et c'est le Build Engine. Ils ont un nom. Il s'appelle je sais plus comment. C'est un jeu de 97, c'est le dernier jeu de 3D Realms à utiliser le Build Engine. Et c'est aussi le dernier Doom-like, parce qu'on peut dire que c'est des Doom-like, hein, les Doom-like et Duke Nukem-like, c'est les mêmes genres de jeux. Parce qu'après, on est passé sur les FPS, l'autre gap. Counter et les trucs comme ça. Non, c'était Quake un peu avant. Ouais. C'était la 3D directement. Ouais, mais même après, on est passé sur des arènes, sur des machins, tout ça. Enfin bref, des jeux un petit peu plus nerveux, quoique bon. C'est plus de l'affrontement. Moi, je m'amusais plus avec ça, en fait. J'ai dit n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je dis engine et c'est engine. Engine, ouais. Comme le serveur web, on dit engine. Engine X. Comme PC engine. Engine X. Et en même temps. Oh, c'est ouvert! Comment on a fait? Voilà. Je sais pas, mais je me demande si c'était pas le truc dans les toilettes, hein. Vraiment. Ah, les toilettes, c'est la vie. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, hein, de devoir passer dans les toilettes pour ouvrir son bureau, tu vois, ça me paraît d'une logique implacable. C'est quand même un gap, c'est que tu vois ici, on a quand même un interrupteur dans les toilettes qui nous a ouvert une porte, alors que dans tous les jeux modernes, t'as des trucs qui clignotent dans tous les sens là pour qu'on les ramasse, et du coup je vois pas trop l'intérêt, c'est un peu comme les jeux mobiles là où t'as... appuyer là pour récupérer le machin, mais c'est ridicule, tu me demandes juste d'appuyer. Enfin, je sais bien que c'est un call to action pour engager le. Enfin, c'est juste une méthode pour engager le comment dire. L'utilisateur à interagir, mais niveau gameplay, ça. Ah, la clé jaune, enfin. Bon, là, j'ai mis du coup un petit truc entre les deux, tu vois, avec quelques petites indications quand même, ou des trucs un petit peu plus logiques. Plutôt que de nous dire, il faut que tu fous tout, mais... Ah, les Monkey Island, c'est violent sur ça, hein. Oh là là. Mais donc, pour les petits trucs rigolos, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs rigolos sur le jeu, hein. Mais oui, parce que, toi, si t'as désactivé le son pour des raisons techniques, t'entends pas forcément la voix du personnage, mais il fait quelques petites répliques, comme ça, de temps en temps. Et donc, la voix, c'est John Galt, c'est un acteur américain, et il a doublé aussi dans... des personnages dans Deus Ex, le jeu, et il a fait quelques apparitions dans Forrest Gump et JFK. Et accessoirement, c'est aussi un champion, un ceinturnois de taekwondo et de kung fu, donc il est dans son élément sur Shadow Warrior. Mais maintenant, on le connaît surtout parce que c'est la voix de Taekyon dans Dragon Ball, et dans les jeux aussi. Enfin, dans la voix américaine, forcément, hein. Pas la voix japonaise. Et il double pas mal d'animés comme ça, donc Psychopass, genre de choses. Et pour ceux qui sont dans la droite lignée de la suite des Duke Nukem et tout ça, parce que Duke Nukem, du coup, il y a tout l'épisode avec 3D Realms qui aurait fait faillite à cause de leur épisode Forever qui a été repris par Gearbox. Et bah Gearbox, leur série phare de FPS, c'est Borderlands. Et il double Mordorkai dans Borderlands, donc la voix là de Lu Wang dans Shadow Warrior, c'est la voix de Mordorkai dans Borderlands. Voilà la petite fun fact. Et en plus, je crois que je te dis une bêtise, la voix de Taekyon, c'est pas John Williams, c'est son remplaçant dans le remake. C'est Jason Limbridge, c'est pas le même.
C'est terrible ce que tu nous racontes là. Voilà. La voix de Taekyon dans DBZ, donc la voix de Lu Wang, c'est bien la voix de Taekyon, mais c'est pas celui de cette version-là, c'est la version remake de 2013. Et donc c'est celui du remake de 2013 qui fait la voix de Mordorkai. Et là tu vas voir ce qui se passe quand tu arrêtes de jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait limite un petit peu cliché raciste, tu vois. Bah non, ça, forcément il le fait plus. Ah oui, voilà. Forcément le mec il est japonais quand il a rien à foutre en jeu de la gueule. C'est la purge hein, ce bateau. La vache, c'est quoi? Tu peux pas sauter à l'eau? Oui, mais au moins on a changé un peu de décor, tu vois. Alors là, j'aurais très envie de te dire débrouille-toi. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire. Le chiant aussi, c'est qu'il n'y a pas de viseur en fait. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure là, mais. Il n'y a pas de viseur là? Bah non. Il peut certainement voir. Tout à l'heure on jouait sans viseur en plus. Ah bon? Ah ouais? C'est étonnant. Auxerre. Ah si, on avait un viseur, mais. Ah oui, elle est là, je la vois. Je viens de le mettre là. Il était désactivé. Va savoir. Ah mince! Oh, c'est pas grave, ça fait faire du tir instinctif. Alors au début, tu es sur un bateau, tu te fais tirer dessus. Je comprends pas trop. Alors, laisse-toi le temps d'analyser ce qui se passe. Ouais, ça fait très fête foraine, quand même. Alors, c'est très joli, ça, encore aujourd'hui, mais c'est chiant, en fait. Merci à vous. Bonne soirée, MG vous bien. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée, bye bye.